Lui, en revanche, va quitter hein, l'élite du foot français. Kylian Mbappé, bientôt en Espagne. Oui, il est en pleine préparation de l'Euro et Kylian Mbappé, comme on s'en doutait, s'apprête à signer au Real, tout juste vainqueur de la Ligue des Champions. La fin donc d'un long feuilleton, Cyril de la Morinerie, ce départ à Madrid. C'est un secret de polichinelle. Oui, si l'on en croit la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait signé son contrat il y a 4 mois déjà, en février dernier. Depuis ses silences radio, le club madrilène souhaitait attendre que sa saison soit terminée pour faire cette grande annonce, confirme à Europe 1, le journaliste espagnol Juan José Dorado. Cette officialisation devrait avoir lieu dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Le Real ne souhaitait pas le faire avant la finale de la Champions League. Et l'officialisation de l'arrivée des Mbappé au Real sera faite par Florentino Pérez et le staff du Real. La grande présentation de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole pourrait avoir lieu soit dès jeudi, ce qui obligerait la star à faire un aller-retour entre Clairefontaine et Madrid, soit, et c'est plus probable, après l'Euro. Mais le vrai suspense concerne la présence ou non de la star de 25 ans au JO de Paris. Mbappé a envie d'y participer, mais le Real est contre. On en saura peut-être plus ce matin. Le sélectionneur Thierry Henry annoncera sa liste de joueurs pour les Jeux Olympiques à 11h au siège de la Fédération. Cyril de la Morinerie.